بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضا. أما بعد، nous allons étudier quelques versets du même chapitre, les femmes, النساء. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Wa'abudullah, donc c'est un ordre divin de l'adorer comme il faut. Il faut respecter Dieu en tant que Dieu, c'est-à-dire le patron, le créateur, le protecteur, l'omniprésent, l'omniscient. Il est le détenteur de tout pouvoir, de récompenser ou de punir, etc. Il est comment dirais-je, le meilleur des êtres, c'est l'être avec un grand E, etc. etc. Wa'abdullah. Donc, c'est une adoration pure, adoration sûre, adoration sérieuse, adoration pratique, adoration qui vraiment nous tient à Dieu comme il faut. Voilà, tout ce que vous dites, et n'attribuez pas à Dieu des associés, parce que c'est impossible de penser à ça, c'est pas faisable, c'est pas digne d'un être humain que tu respectes. Comment ? Accepter qu'il y a avec Dieu d'autres dieux, c'est impossible. C'est un argument nul et non avenu. Donc, wa abdullah wa la tushriku bihi shay'an, ne soyez pas polythéiste. Wa bil walidayn ihsanan, c'est-à-dire traiter avec douceur, avec respect, avec magnanimité, etc. vos parents. Wa bil walidayn ihsanan. Et vos proches, c'est-à-dire vos familles, ne disqualifient pas les liens qui vous unissent avec la famille, que ce soit la large ou la rétrécie, la limitée. C'est-à-dire les orphelins, vous voyez que l'islam il s'intéresse bien aux relations sociales. C'est-à-dire les démunis, les infortunés. والجار ذو القربة ton voisin qui est à proximité de vous. والجار الجنوب et le voisin le éloigné. والصاحب بالجنب et le compagnon de proximité. Vous voyez que le junub et le jambe c'est pas la même chose. Le junub, le jar, le junub c'est loin. والصاحب بالجنب c'est proche. Vous voyez que il y a une petite notion, une petite différence qui change le sens. Ça devient l'antagoniste. Vous voyez qu'en arabe, il y a une malléabilité de la langue, les mêmes lettres, mais ce qui accompagne les lettres comme signaux, alamet, change tout. Al-Junubi. ضمة كسرة والجنب فتحة سكون كسرة. C'est son de c'est-à-dire ça devient diamétralement opposé. وابن السبيل c'est-à-dire le voyageur qui est loin de chez lui, qui n'a pas ce qu'il faut comme argent. وابن السبيل وما ملكت et puis les loyers etc. وما ملكت c'est-à-dire il faut être facile avec ces gens-là dans le loyer par exemple. وما ملكت أيمانكم votre suite, que ce soit les esclaves, comment dirais-je, par le biais des guerres, etc. وما ملكت أيمانكم, parce qu'il y a une guerre. Il y a toujours les gens qui sont victorieux, les gens qui sont en défaite. Donc, ça, comment dire, ça déquilibre cette zone-là. Donc, nous, les esclaves, ce n'est pas des gens qui viennent par n'importe quelle voie,
C'est lui comme cette voie-là. Il y a d'autres voies, mais c'est rare. Et puis Dieu, nous a donné beaucoup de moyens pour les libérer, pour les désaligner. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخيرا فخورا. Et nous avons vu à plusieurs reprises que Dieu n'aime ni les arrogants ni les orgueilleux. El mukhtal, c'est l'arrogant, ou el fakhour, c'est l'orgueilleux. Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, c'est-à-dire les avares, et ils ne se suffisent pas de ça, mais ils ordonnent aux autres, ils les, comment dirais-je, ils les manipulent pour devenir des avares comme eux. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. Et puis ils cachent tout ce que Dieu leur a donné comme provision, comme vivre, comme science, etc. Ils ne montrent rien parce qu'ils sont des égoïstes, ils sont des gens malins. Ils veulent qu'ils dominent tout le monde sans que personne sache d'où vient ce pouvoir-là. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. C'est-à-dire Dieu leur a préparé un châtiment très sévère, ignominieux. Mouhinan. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرين ساء قرين. Et ceux qui dépensent leur argent par ostentation, ce n'est pas pour l'amour de Dieu. والذين في سبيل الله. محبة في الله. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. Ils ne croient pas en Dieu et ils doutent de leur finale, c'est-à-dire l'heure du jugement. ومن يكن الشيطان له قرين. Et ceux qui prennent comme amis intimes, qui ne se séparent pas de lui, c'est-à-dire le shaitan, c'est-à-dire tout élément nocif, funeste. ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرين. Il a le plus vil et le plus pernicieux des coronas, c'est-à-dire des associés ou des amis intimes, au salam ou à la manitaba al-houda.